Salut salut, ici Anne de Plaisir Keto. Ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne je parle de tout ce qui est keto, je donne des idées, je fais des expérimentations, je fais des challenges pour aider à vivre en mode keto ou céto sans se prendre la tête. Si vous aimez de tels contenus, en tout cas si un tel sujet vous parle, vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. La dernière vidéo, je parlais du challenge du mois de septembre. Et aujourd'hui, 1er septembre, j'aimerais partager avec vous ce que je mange pour une journée type de jeûne protéiné modifié. Alors, dans un jour de jeûne protéiné modifié, le défi souvent c'est d'atteindre ses macros en protéines, parce qu'on doit maximiser sur les protéines. On doit vraiment beaucoup beaucoup diminuer les glucides comme avec keto, mais là c'est encore plus réduit. Et on doit aussi réduire le gras. Donc c'est un peu ça le défi, c'est qu'il faut trouver des aliments qui sont riches en protéines. Et donc souvent ce que les gens font, c'est qu'ils font, ils mangent un peu comme une journée de carnivore, c'est-à-dire ils se nourrissent essentiellement de viande, de poisson et très peu de légumes, parce que les glucides, on va les chercher dans les légumes en fait, et donc il faut en prendre juste un peu. Et moi aujourd'hui, j'ai fait ça assez simple. J'ai utilisé le pain modifié protéiné que j'ai partagé sur le site, qui est fait avec le blanc d'œuf et la poudre de protéines de blanc d'œuf. Donc j'ai mangé ça avec une tranche de jambon que j'ai divisé en deux, et j'ai ajouté à cela de la viande. Et donc ça fait que le pain était protéiné, du jambon protéiné, la viande protéinée, donc c'était riche en protéines. Et comme deuxième repas, j'ai fait du poulet. J'avais pas trop le goût de faire ça sec, parce que je voulais faire avec du riz pour le restant de la famille. Donc moi, à la place du riz, j'ai utilisé les spaghettis, les zucchini spaghettis. Et donc j'ai mis dans une sauce à l'orange qui est keto friendly. C'est vrai que la sauce est quand même riche en glucides, mais puisque le premier repas était très faible en glucides, bon, je pense que ça peut aller, parce que le premier repas était très faible en glucides. Donc c'est sur mon deuxième repas en fait que j'ai pris mes glucides de la journée. Donc c'est ça que j'ai eu, et voilà. Donc dans le programme, il est aussi prévu de faire une marche. Le matin, je me suis levée tard. J'ai enlevé mon réveil de mon téléphone parce que j'ai envie de pouvoir me réveiller quand je suis bien reposée. Donc je me suis levée tard, et mon temps que j'utilise souvent pour faire des exercices, je n'ai pas pu le faire parce qu'il fallait que je me mette au travail. Donc je comptais marcher aujourd'hui, ce soir. Je ne sais pas si je vais pouvoir, mais en tout cas, pour le moment, je suis en train de déguster mon deuxième repas de la journée. Et c'est ainsi que, en fait, cette journée jeûne protéiné modifié va se passer. Très simple, ça vous donne une petite idée. Et mes macros, je les ai enregistrés dans mon Carb Manager. Donc ici, vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est pas très clair, mais ça me donne autour de 686, disons 700 calories. Et donc j'ai donc inscrit tout ce que j'ai mangé. Ce soir, j'ai le zucchini, 4 livres, ounces. Le poulet, eau de poulet, avec, j'ai aussi mis la sauce que j'ai faite. Donc je pense que je suis bien là dans mes macros. Donc au niveau du gras, je suis à 30 grammes. Je suis à 30 grammes, c'est la limite pour la journée. Les protéines, c'est pas assez, c'est moins de 100, mais c'est proche, 93. Et les glucides, 9 grammes. Donc c'est parfait. Donc c'est ça pour aujourd'hui, ça vous donne une idée. Et puis voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas.
Et puis, j'espère en tout cas que ça va vous encourager à essayer ce challenge de septembre avec moi. D'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir que du bon. À bientôt.